Bonjour, ici Dan Bollander à Lyon, au 3e colloque international pour les bègues. J'ai testé être journaliste bègue. Thierry, allez-y, posez la question. En quoi ce colloque. Bon, on verra ça plus tard, hein. Que pensez-vous de la condition. Que pensez-vous de la condition. Bon. Est-ce que vous butez sur certaines consonnes et pas d'autres? Par exemple, quelle condition? Oui, le Q, oui. Alors il faudrait que vous vous entraîniez à embrayer avec des consonnes comme ça. Quel est le nom de cette rue? Quel est le nom de cette rue? Oui, ben voilà. Là, vous avez très bien répété quelle est la condition, quel est le nom de cette rue. Ok. Qu'est-ce qui est difficile pour un bègue au quotidien. Au quotidien. Et pourquoi vous ne le laissez pas parler? Mais non, mais il bégaye, on comprend pas ce qu'il dit. Il me stresse. Mais ça va pas être clair pour le reportage, c'est pour ça. Alors, vas-y. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Mais non, mais on comprend pas sinon. Reprends la question. Tu vas stresser? Mais non, mais... Je vous en prie, monsieur, allez-y. Je vais poser moi-même la question, c'est non, mais allez-y, non, votre question. Qu'est-ce qui est difficile? Pour un bègue au... Bon, attends, je vais poser moi-même la question, parce que... Mais non, il y en a pour une heure. Au quotidien. Non, attendez, je vais vous poser la question parce que. Je pense ces difficultés de communication. Attendez, on reprend la question. J'ai compris, j'ai répondu. Non, on comprend pas la question là. Il bégaye, on comprend rien. Je suis un petit peu saisie de votre intervention, monsieur, je comprends pas. Pourquoi j'ai très bien compris les questions et j'y réponds. Mais non, il bégaye, on comprend rien, on pourra pas avoir une bonne séquence. Bon, écoutez, je m'excuse, mais tâchez de trouver un autre parce que... Attends, il faut qu'il vous pose la question. Mais oui, si la pose... Tout de suite, la rire... Oui, attends, il faut qu'il vous pose la question aussi. Ah oui, non, moi je veux bien qu'il pose la question, mais moi, il faut que je parte aussi. Oui, mais attendez, il va essayer de vous poser la question. Ah oui, non, mais ça fait un moment que ça dure, la musique. Mais oui, mais attendez, c'est pas de ma faute s'il a du mal à la poser. Bon, tu fais un effort. Bon, la dernière fois, puis je m'en vais, je vous préviens. Oui, bon, tu fais un effort, Thierry, monsieur doit partir. Ah oui, moi, j'attends pas là 10 ans. Est-ce que c'est difficile? Reprends. Je m'excuse, mais bon, je ne parle pas. Attends, non, vous... non, ouais, mais ça fait mal que vous attendez. Mais il n'a pas posé sa question. Ben oui, mais il me la posera à quelle heure? À minuit.